Voilà, de retour sur les ondes de Pastel FM, il est 20h21. Donc le thème qui nous occupe ce soir dans notre émission à livre ouvert, c'est l'histoire du wahhabisme, sa doctrine et ses pratiques de 1700 à nos jours. Et nous recevons pour en parler notre invité Daoud Rifi. Et nous parlons d'un ouvrage en particulier qui s'appelle « Le pacte de Najd » de Hamadi Redissi, publié aux éditions du Seuil en 2007. Donc après une courte introduction, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et pour commencer, Daoud, comment y voir clair dans tous ces termes qui se terminent par « isme » ? Donc wahhabisme, salafisme, intégrisme, djihadisme, on n'en finit plus. Comment s'y retrouver et quelle est la place de ce terme qui nous intéresse ce soir, wahhabisme, dans tout cela ? Alors, j'ai retenu le terme wahhabisme parce que c'est celui qui finalement est le plus neutre. Alors, effectivement, les tenants de ce mouvement aujourd'hui ont plutôt tendance à s'appeler les salafis, c'est comme ça qu'on parle souvent d'eux, y compris dans la presse, les salafistes ou les salafis, selon on l'arabise ou on le francise. Alors, le terme salaf pose problème, salafia, puisqu'en fait, il a une connotation, il a quelque chose de positif qui est derrière, et appeler ce mouvement le mouvement salafiste, c'est déjà lui donner un crédit qu'on va voir aujourd'hui, qui ne mérite pas en réalité. Alors qu'est-ce que ça signifie alors salaf ? Salafia, le terme salaf fait en fait référence à une époque, les trois premiers siècles de l'islam, donc c'est une époque qui est considérée comme, par tous les savants de l'islam, comme une époque bénie, puisqu'elle a été en partie mise en avant par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Et donc on limite en général cette période aux trois premiers siècles après le début de la prophétie. Donc, le terme Salaf Salihin, les pieux anciens, parce que Salaf veut dire ancien, tout simplement, désigne ces trois premiers siècles où, grosso modo, les grandes références incontournables et incontestables de l'islam se retrouvent et fondent les premières étapes de ce qui vont être les sciences islamiques et l'orthodoxie islamique. Donc, c'est-à-dire l'orthodoxie, c'est-à-dire l'islam tel qu'il est considéré comme authentique par les musulmans eux-mêmes. Donc, quand les partisans du wahhabisme se disent salafis, c'est parce qu'ils considèrent que leur groupe est le seul qui soit conforme à l'enseignement de ces fameux salafs. D'accord. Alors le mot wahhabisme, pourquoi il est plus approprié ? D'abord parce que au départ, les wahhabis s'appelaient eux-mêmes comme ça. Donc déjà, on a au moins le mérite que c'est un terme qui conviendrait aux wahhabis comme aux non-wahhabis, aux opposants comme aux partisans. Le terme est employé par le premier ennemi Abdel Wahhab, donc le fondateur, par son propre frère, Souleyman, qui, on va le voir, est un des premiers à écrire des textes pour contredire son frère, donc Ibn Abdel Wahhab. Donc, juste pour situer le mouvement, Mohammed Ibn Abdel Wahhab est un homme qui vit en Arabie Saoudite actuelle. Il naît au début du XVIIIe siècle, en 1703, je crois. Il meurt en 1789. Et en fait, il habite dans le Najd. C'est-à-dire, c'est une région, là on va situer, donc tout le monde voit la péninsule arabique, hein, l'Arabie Saoudite actuelle, avec le Yémen au sud, Oman en français, et le Koweït. Donc le Najd, ça se trouve à l'est, donc pour les nuls en géographie, c'est à droite, en Arabie. Et la région d'origine de Ibn Abdel Wahhab, c'est vraiment le milieu de l'Arabie, en plein désert. Donc, on appelle ça le wahhabisme, en référence à celui qui va être le fondateur, malgré tout, de ce mouvement. Et comme c'était un nom qui a été employé au départ par les wahhabis eux-mêmes, aujourd'hui encore, enfin encore il y a quelques années, une des grandes autorités de ce mouvement, un des grands savants de référence, Ibn Baz, reconnaissait lui-même, il s'appelait lui-même wahhabi en fait. Donc gardons ce terme qui a le mérite d'être attaché à son fondateur et d'être relativement neutre. Et de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Très bien, merci pour la clarification sur ces termes. Alors du coup, ce mouvement, comme il est, finalement on dit qu'il a usurpé le terme salafisme, oui, en prétendant être la référence de l'orthodoxie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, oui, d'après l'auteur, ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment on peut définir l'orthodoxie alors en islam ? Alors, ça c'est le grand problème, parce qu'on verra que un grand écueil qui est fait par aussi bien les musulmans que les non-musulmans lorsqu'ils parlent de ce mouvement, c'est qu'ils le considèrent comme un mouvement littéraliste ou extrémiste, c'est-à-dire qu'ils appliquent à la lettre. Et c'est faux, en fait. Le problème, c'est pas qu'ils appliquent à la lettre. Le problème, c'est qu'ils ont un rapport au texte qui, c'est-à-dire qu'ils ont une façon d'appréhender les textes qui ne correspond pas à la fonction, à la façon traditionnelle dont on
on extrait les règles des textes. Alors, quels sont les deux grands textes en islam, les deux grandes sources plutôt en islam? C'est le Coran et la Sunna, bien sûr. Donc, le Coran, la parole de Dieu. Mm-hmm. La Sunna, c'est la tradition du prophète, ses paroles, ses actes. Les hadiths. Mm-hmm. Voilà, donc, qui sont constitués par des hadiths. Et donc, l'orthodoxie, c'est pas est-ce qu'on applique à la lettre ou pas. L'orthodoxie en islam, elle est définie par une expression arabe qui s'appelle « al-sunna wa jama'a », qu'on a traduit par le sunnisme en français. Donc on pourrait traduire littéralement par « les gens de la sunna », donc de la tradition, et du consensus, c'est-à-dire du fait que tout le monde soit d'accord. Et pour comprendre ce que comprend ce terme, il faut revenir à un hadith en fait, qui est un hadith qui est très connu, qui donne des explications sur les éléments essentiels de l'islam. C'est le fameux hadith qu'on appelle le hadith Jibril, dans lequel, alors c'est un hadith que les auditeurs peuvent retrouver par exemple dans le recueil de Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi, c'est un des premiers. Et donc, je vais pas lire le hadith, il est assez long, mais c'est un des plus connus. Donc c'est un hadith dans lequel les compagnons sont avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils voient un homme arriver qu'ils ne connaissent pas, un étranger, vêtu de blanc, donc propre sur lui alors qu'il vient de voyager, et qu'à l'époque, en voyage dans le désert, on revient rarement tout propre. Donc il est d'un blanc immaculé, il vient devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agenouille, et il l'interroge, il lui pose trois questions, quatre, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan, et enfin, quels sont les signes de l'heure. Donc, j'envoie les auditeurs sur ce long hadith. Les signes de l'heure, donc les signes de la fin des temps, ça je vais pas y venir, même si le mouvement wahhabite va être concerné par cette dernière partie. Mais on va retenir les trois premières questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? Donc, qu'est-ce que l'islam? Le prophète le définit en donnant les cinq piliers. Mm-hmm. La foi, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la croyance? Il va donner les piliers de la croyance, que sont croire en Dieu, en ses prophètes, en ses gens, en ses anges, etc. Et qu'est-ce que l'ihsan? Alors, c'est le terme le plus complexe à traduire. On traduit par l'excellence. Perfection. Ou la sincérité, la perfection. Mmh. Et il répond, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc le hadith est assez long, et le voyageur s'en va. Alors, chose curieuse, à chaque fois que le prophète lui répond, le voyageur qui interroge lui dit « tu as dit vrai », donc il confirme les propos de celui qui est censé avoir la réponse. Alors les compagnons ne comprennent rien du tout à cette histoire, qu'est-ce que c'est que cet homme qui interroge et qui a déjà la réponse? Et le prophète leur répond « c'était l'ange Gabriel, Jibril, qui est venu enseigner votre religion ». Alors pourquoi ce hadith est intéressant? C'est parce qu'en fait, non seulement il nous explique les bases de notre religion, les cinq piliers, les piliers de la foi, mais surtout, enfin surtout dans notre cas ce soir, ils font les trois grandes branches de l'orthodoxie islamique, les trois grandes branches des sciences islamiques. Puisque l'islam, qui sont définis par les cinq piliers, vont donner les sciences, grosso modo, de la jurisprudence, le fiqh. Mmh. L'iman, la foi, va donner les sciences qui sont liées à la aqida, le credo. Et l'ihsan va donner les sciences qui sont liées à la spiritualité, à la perfection, qu'on appelle tasawuf et qu'on appelle soufisme en français. Ces trois branches, très rapidement, hein, je vais vraiment aller à toute vitesse, vont donner naissance, donc, enfin, ces trois sciences auront un vocabulaire précis, des savants précis, une façon d'extraire les règles précises, ils vont fonder des écoles précises qui vont permettre aux musulmans du 4e siècle, du 5e siècle, du 10e siècle, du 20e siècle après la mort du prophète, d'avoir une compréhension de l'islam qui soit la plus proche possible de ce qu'était l'islam des compagnons. Parce qu'il faut s'imaginer que les recueils de hadith, c'est quelque chose qui est entre guillemets un peu artificiel. On imagine qu'on vit avec un homme pendant toute une vie, on met sur un cahier tout ce qu'on a entendu de lui, tout ce qu'on a vu de lui, et puis cet homme meurt. Celui qui a lu le cahier, il connaît pas aussi bien celui qui est mort que celui qui a écrit le cahier. Mmh. C'est-à-dire c'est une série de textes qui sont froids, et il faut extraire des règles. Et donc, dans ces trois branches, fiqh, aqida, tasawuf, donc jurisprudence, croyance et spiritualité, on aura des savants de référence, des écoles de référence, un vocabulaire, des façons de procéder. Alors on va voir que le wahhabisme va leur abattre ces trois domaines, complètement. D'accord. Et il va d'ailleurs être considéré comme une innovation, chose paradoxale aujourd'hui, parce qu'on sait qu'ils sont connus pour être les champions, pour taxer de bid'a, d'innovation les choses. Et la raison principale, on verra par la suite, la raison principale qui va faire qu'ils vont être condamnés, c'est que dans les trois domaines, le fiqh, la jurisprudence, la croyance, le aqida donc, et la spiritualité, ils vont casser tous les repères des ulémas d'époque. D'accord. Alors, pour être plus précis, est-ce qu'ils rejettent finalement les sources auxquelles puisent les différents savants
que tu as évoquées, ou est-ce qu'ils consultent les mêmes sources en donnant une interprétation différente, disons ? Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a deux étapes dans le wahhabisme. Il y a une étape avant les années 50, donc l'étape qui concerne le fondateur jusqu'à les années 45-50, et puis il y a l'étape d'après. Avant les années 50, donc de Abd al-Wahhab jusqu'à, on va dire grosso modo, la Seconde Guerre mondiale, le wahhabisme rejette tout simplement les textes anciens, puisqu'en fait, on va voir qu'ils sont en rupture avec la méthodologie de manière globale. Alors il faut juste que j'explique ce que c'est qu'une autorité des gens d'islam, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc on a vu qu'il y a trois branches de science, jurisprudence, théologie, spiritualité. Ces trois branches vont donner naissance à ce qu'on appelle les écoles. Donc les écoles de jurisprudence, ça va être les quatre grandes écoles juridiques de l'islam, malikite, shafi'ite, hanbalite, hanafite. La théologie va donner naissance à trois écoles théologiques, l'école ash'arite, maturidite et l'école hanbalite. Donc hanbalite, c'est une école de jurisprudence et une école de croyance. Et enfin, le tasawuf va donner naissance à des écoles qu'on appelle les turuq soufia, des confréries, avec leur méthodologie. Alors, c'est pas des sectes tout ça. Ce sont des... on les appelle écoles parce qu'en fait, elles ont eu des fondateurs qui ont mis en place des méthodes d'extraction de règles. Parce qu'en fait, on est face à un corpus de textes considérable. On a des centaines de milliers de hadiths, on a des versets du Coran. Et les divergences, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire une émission entière sur les causes des divergences, mais les divergences sont multiples, elles sont liées à comment on appréhende les sources, est-ce qu'on considère toutes les sources de la même manière au niveau de l'authenticité, comment on comprend les termes qui sont employés, il y a des débats mais au niveau du vocabulaire, et donc tout cela va donner naissance à des débats, et dans les premiers siècles de l'islam, va se constituer des écoles qui vont être la structure de Ahl al-Sunna. Tous les savants, sans exception, on en comptait sur les deux mains avec des doigts en moins, mais tous les grands savants de l'islam appartiennent à une école juridique, une école du credo, et très souvent à une école spirituelle, une confrérie spirituelle. Oui, et toutes ces écoles, c'est bien connu qu'elles ne s'opposent pas finalement. Tout à fait, elles se complètent, puisqu'en fait c'est une simple question de méthodologie en fait, tout simplement. Oui, et puis on les retrouve dans des zones géographiques différentes. Tout à fait, alors elles peuvent être mélangées. Pour le Maghreb, par exemple, c'est très connu. Tout à fait. Pour être plutôt malikite. Là, on n'est pas du tout dans le cas qui nous concerne ici, non. Pour le wahhabisme. Alors, on va voir que. C'est ce type de divergence, en tout cas. Tout à fait. Et tu emploies le très bon terme, c'est que, au sein de ce cadre, des quatre écoles juridiques, des trois écoles de fiqh, de croyance, on a un flot de divergences qui sont toutes fondées, en fait. Si vous prenez un ouvrage de fiqh comparé, vous prenez du début de la prière jusqu'à la fin, c'est rempli de divergences, et on est incapable de dire qui a raison, puisqu'ils ont tous des preuves. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison, en fait, parce qu'ils ont tous une preuve fondée. Alors, parfois, il y a des groupes, sur certains points, le malikisme va avoir plus, entre guillemets, raison que le hanbalisme, etc. Mais en gros, ils ont tous un fondement. Alors, on va voir par la suite, qu'Abd al-Wahhab, tout ça, il le jette à la poubelle, il dit non, il y a un seul madhab, lui va retenir une variante du hanbalisme. Alors, avant d'y venir, juste une dernière chose, la notion d'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'on est une autorité en islam ? Et ça, c'est extrêmement important de le savoir, puisqu'en fait, non seulement il casse les repères au niveau des sources de la loi, puisqu'ils refusent les écoles, mais ils vont casser également les repères au niveau de l'autorité. Une autorité en islam, c'est simple, c'est quelqu'un qui a reçu une autorisation pour enseigner auprès d'un maître, suite à l'étude d'ouvrage. Alors c'est pas comme nous, on va faire des études de médecine et on va devenir médecin. Chaque maître a une série de livres qu'il enseigne, et l'élève est habilité à enseigner le livre qu'il a étudié auprès de ce maître. Voilà, pas toute la science, pas tout le fiqh par exemple, mais tel livre. Alors certains ulama vont étudier tous les livres disponibles, d'autres moins. C'est ce qu'on appelle donc les ijazat. Voilà, les ijazat, les licences, on peut traduire en français. Alors il y a deux piliers de la connaissance en islam et de l'autorité. Premier pilier, c'est l'ijaza, donc l'autorisation, la licence qui suite à une étude permet d'être soi-même savant. Et la deuxième notion qui est liée, c'est la notion de isnad, de chaîne de transmission. Alors on connaît ce terme dans le hadith, puisque la chaîne de transmission, c'est tous les hommes qui ont rapporté un hadith, mais c'est valable pour toutes les sciences. En grammaire arabe, un grammairien, il a une chaîne de transmission qui le relie au fondateur de la science, ou du moins à l'auteur du livre. Dans le fiqh, dans le hadith, dans les sciences du fiqh, du hadith, dans la aqida, donc dans le credo, il y a ça. C'est-à-dire que chaque savant a un isnad qui le relie au minimum au savant de référence, voire au prophète. Je vais donner un exemple concret. La traduction de Mohamed Hamidullah du Coran en français, en introduction, il donne son ijaza et l'isnad complet qui le relie de lui jusqu'au prophète de l'islam par l'intermédiaire de savants. Cela
les Wahhabis vont le couper en balayer. Ils vont balayer, ils n'auront pas d'Isned et pas d'Ijaza. Et ça, on va voir que ça fait partie des grands éléments qui vont faire qu'ils vont être condamnés. C'est incroyable. Parce qu'ils ne sont pas autorisés, en fait. En tout cas, pour ceux qui ont étudié la science du hadith, savent que sans Isned, il n'y a absolument rien. C'est un fameux salaf qui disait que sans l'Isned, tout le monde pourrait dire ce qu'il voudrait. C'est Ibn al-Mubarak qui disait ça. Ça serait la porte ouverte à tout. Bien. En effet. Alors, ce mouvement, il est quand même déjà vieux depuis 300 ans. Alors, si on essayait d'en dresser au moins les grands traits, comment on pourrait, depuis ses origines, début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grands jalons qui peuvent permettre de comprendre l'histoire de ce mouvement? Alors oui, alors pour le comprendre, il faut d'abord comprendre les bases de la pensée de son fondateur, Ibn Abd al-Wahhab. Donc Ibn Abd al-Wahhab, c'est un arabe du Najd, donc on a dit donc une région d'Arabie saoudite actuelle. Et en fait, il est élevé dans une famille dont le père est un cheikh, en fait, est un savant, on peut dire, du madhhab, donc de l'école hanbalite. Et donc il va évoluer lui au départ au sein de cette école. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même comprendre que dans cette école juridique, il y a eu un premier pas qui a été fait au Moyen-Âge déjà, par un savant qui est très connu, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Et on va voir que Ibn Abd al-Wahhab va pratiquer un islam qui est un dérivé très simplifié de certaines choses qui ont été condamnées chez Ibn Taymiyyah, justement. Alors Ibn Taymiyyah, c'est un savant très connu, un grand savant de Damas, et donc il va écrire des recueils de fatwa, c'est lui-même un fils de grand savant et petit-fils de savant, et en tout cas Ibn Taymiyyah, à l'époque, il va connaître beaucoup d'années de prison, parce qu'il va avoir des positions dans deux domaines qui vont attirer la colère des ulémas de son époque. C'est dans le domaine du fiqh, d'abord, alors c'est des détails juridiques dont je ne vais pas rentrer, hein, donc il avait des positions sur certaines choses, notamment sur l'héritage, etc., qui ont été très condamnées par les savants, mais surtout, là où il était le plus condamné, c'est dans les questions de credo. Mmh. Donc on a vu tout à l'heure que la théologie, donc l'étude, le discours sur Dieu, on pourrait dire, en islam, a trois écoles, l'école de Ash'ari, donc l'acharisme, qui est dominant dans le monde musulman aujourd'hui, archi-dominant. Et à Maturidi, donc c'est une école qui est dominante dans la partie indienne du monde, l'Asie. Et puis il y a une école beaucoup plus restreinte, qui c'est l'école Hanbalite. Alors, ces trois écoles, elles ont pour but d'expliquer les termes, en fait, quand Dieu parle de lui dans le Coran, comment on doit comprendre. Donc c'est les attributs divins, et puis également les questions qui posent problème. Par exemple, lorsque Dieu parle de ses deux mains, comment comprendre les deux mains de Dieu, etc., etc. Alors, grosso modo, la position des deux écoles majoritaires, c'est une interprétation. Par exemple, la main de Dieu symbolise son pouvoir. L'école Hanbalite, elle, se caractérise par le refus d'interpréter. Il accepte le texte tel qu'il est, et il s'arrête là. C'était d'ailleurs la position majoritaire chez les salafs. Alors, Ibn Taymiyyah va commencer à faire quelque chose qui va être condamné, en fait. C'est qu'il va glisser, faire un début d'anthropomorphisme. Alors, c'est le voyageur Ibn Battuta, qui est très connu, le voyageur marocain, qui va voyager dans le monde entier. De Tanger, qui va écrire ses voyages, hein, qui sont d'ailleurs traduits en français, aux éditions de la Découverte. Il raconte une scène à laquelle il assiste lors d'un discours de Ibn Taymiyyah à Damas, et il raconte Ibn Battuta que Ibn Taymiyyah dit, pour comprendre, lorsque le prophète dit que Dieu descend au premier ciel, Ibn Battuta raconte, donc c'est lui qui raconte, hein, qu'il voit Ibn Taymiyyah se lever de la marge de son minbar, donc de l'escabeau sur lequel il est monté, de descendre de deux marches et dire c'est comme ça. Alors, pour le coup, ça, c'est de l'anthropomorphisme pur. Primaire. Ouais, primaire, en fait. Il a été condamné pour ce genre de choses. Alors, ça n'a, on va pas s'arrêter là pour Ibn Taymiyyah, bien sûr. Mais il va finir en prison, il va mourir en prison. Ibn Hajar al-Asqalani, le grand, grand spécialiste du hadith, qui est reconnu même par les Wahhabis d'ailleurs, explique qu'il a lu un texte écrit de la main d'Ibn Taymiyyah dans lequel il rejetait ses propos et dans lequel il faisait profession de foi à Sha'alit avant de mourir. Ça, c'est Ibn Hajar qui le dit. Mais donc, en tout cas, revenons à Ibn Abd al-Wahhab, lui grandit dans ce milieu-là. Il va donc être éduqué d'abord par son père, puis il part, comme beaucoup à l'époque, il voyage un petit peu autour de son région natale, il va à la Mecque, à Médine, et puis il monte un peu au sud de l'Irak, à Bassora. Il va rencontrer des savants, il va étudier un petit peu, très peu, mais avec très très peu de savants, et il va être initié en fait à la pensée d'Ibn Taymiyyah par un savant d'Irak. Et ça va être le début pour lui d'une véritable folie, en fait, parce qu'en fait, il va commencer à vouloir appliquer de manière radicale
et même quelque part parfois absurde, ce qu'il a compris, et je dis bien ce qu'il a compris d'Ibn Taymiyyah, parce qu'Ibn Taymiyyah était infiniment plus subtil que ce que lui va faire. Et donc, grosso modo, il va faire quoi ? Il va commencer par, déjà en Irak, à faire parler de lui, à haranguer la foule, à s'en prendre aux gens, et il va être chassé de là-bas. Donc il va repartir assez rapidement donc, dans le Najd, en Arabie, et il va commencer donc à faire la prédication, à appeler les gens à ce qu'ils considèrent être comme le vrai tawhid. Parce que là, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que c'est pas que des questions de débat intellectuel voilà, entre savants. C'est que lorsque vous considérez que Dieu a une main au sens propre, que Dieu a une jambe, lorsque vous avez des propos de ce genre-là, lorsque vous considérez que interpréter les versets du Coran est haram, vous pouvez passer une étape supplémentaire qui va être l'étape d'Ibn Abd al-Wahhab en disant ceux qui disent le contraire de ce que je dis ne sont pas musulmans. Ils ne sont plus musulmans. Alors c'est le deuxième élément qui va intervenir, qui est extrêmement important pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui en Irak avec l'État islamique, c'est que Ibn Taymiyyah, parmi les choses qu'il a introduites et qui ont été condamnées à sa suite et que va complètement reprendre Ibn al-Wahhab, c'est la division du tawhid en trois. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être un vrai monothéiste, pour être vraiment musulman et croire que Dieu est unique, il faut croire et mettre en pratique les trois composantes du tawhid. Donc tawhid, unicité divine. La première composante, c'est, alors il appelle ça tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya et tawhid fi asma wa sifat. Donc c'est l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des attributs et des qualités, des qualités divines, voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est très problématique ? C'est que pour Abd al-Wahhab, s'il vous manque un des trois, vous êtes mouchrik, vous êtes polythéiste. Et la règle, à ce moment-là, s'applique pour vous. Si vous n'êtes plus musulman, vous êtes polythéiste, j'ai le droit de vous tuer. Et c'est ce qui, ni plus ni moins, se fait aujourd'hui. Quand vous, encore une fois, si vous allez sur le compte Twitter de n'importe quel combattant français en Syrie, vous verrez que quand ils font des combats contre des militaires syriens, ils disent « Nous avons tué 10 mécréants », alors que ce sont des Syriens musulmans qui pratiquent, etc. Parce que pour eux, ce ne sont pas des croyants. Et donc, ils méritent la mort. Et donc, ils méritent la mort. Et donc, Ibn Abd al-Wahhab, c'est ça qu'il va faire, en fait. C'est qu'il va commencer à faire la guerre, au sens propre du terme, contre tous ceux, et ils sont nombreux, parce qu'en fait, lui, il est minoritaire, tous ceux qui ne défendent pas ses positions théologiques, en disant non pas ce que vous dites est faux, je ne suis pas d'accord, mais en disant je suis le seul à détenir la vérité, et ce que vous dites, c'est du kufr, de la mécréance, et c'est même pire, c'est du shirk. Ouais. Et d'ailleurs, il va aller encore plus loin que ça en disant que les Arabes de son époque sont arrivés à un degré de polythéisme pire que les Arabes dans l'islam. Oui. Donc, il va très très loin, en fait. Avant d'aller plus loin, pour comprendre, parce que finalement, si eux rejettent toute interprétation, que ce soit du Coran ou des hadiths, je veux dire, n'importe qui a étudié un tout petit peu le hadith, sait que le professeur Hassim lui-même a interprété des versets du Coran. Il y a probablement des milliers de hadiths là-dessus. Et puis aussi beaucoup de compagnons, dont le plus connu certainement est Ibn Abbas. Oui. Alors, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle ils ont voulu rejeter totalement l'isnad et les hadiths ? C'est pour justement s'affranchir d'avoir à reconnaître que l'interprétation est possible ? En fait, au départ, c'est même pas ça. C'est surtout qu'ils n'avaient aucun isnad tout court. Parce qu'Abd al-Wahhab, il n'a pas étudié, il n'a pas reçu d'ijazah, il n'a pas eu d'autorisation. En fait, c'est un fondateur d'un mouvement qui va prendre beaucoup d'audience. Alors là encore, c'est un point commun avec l'actualité. Il va être très condamné par les savants et il va être très suivi par les bédouins. Et en fait, c'est son charisme, c'est sa présence personnelle, le fait qu'il s'adresse à des populations, ça on le sait aujourd'hui, c'est absolument certain, qui étaient très peu cultivés. C'était vraiment des bédouins. D'ailleurs, les ça fondateurs... Ça n'a pas changé, ça, alors. Comment ? Ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé, en fait. Hein. Mais vraiment, on voit que les ulama vont faire fatwa sur fatwa, livre sur livre pour condamner ça, mais c'est les bédouins qui vont le suivre. Et donc, eux ne se posent pas la question de qui, de où vient cette science. Donc, ce n'est que bien plus tard, c'est, je vous le dis, après la Seconde Guerre mondiale, que la question va se poser de d'où on peut tirer notre légitimité.
Et on va voir qu'il y a des savants, enfin on peut le dire dès maintenant en fait, il y a un savant contemporain qui est encore vivant je crois, le cher Bassam, un savant saoudien, qui va tenter de construire une généalogie, une tradition qui relie Abd al-Wahhab au grand penseur de l'islam ancien, mais en fait il n'y a rien, il n'y avait pas de savant dans le Najd à l'époque, c'est vraiment... il n'avait pas de source. Donc en fait, le mouvement d'Ibn Abd al-Wahhab au départ, il se construit sur très peu de livres. Ce sont des résumés des livres d'Ibn Taymiyyah, quelques recueils de hadith, et c'est tout. Il n'y a vraiment rien, c'est extrêmement pauvre. Moi j'avais deux petites questions, si je peux me permettre, question naïve, parce que j'apprends beaucoup de choses, avec l'Afrique. Juste pour le terme qui était sur l'ouvrage là, de l'islam sectaire, donc le terme secte, t'as exclusivement parlé de mouvement. Peut-être que le terme est peut-être bien choisi. Je ne sais pas si tu voulais distinguer deux sectes. Si on peut revenir sur cette terminologie, alors, d'une part, et je te poserai la question après parce qu'elle m'a échappé et je vais la retrouver. Donc le terme secte, c'est, alors, il a plusieurs occurrences en arabe. Il y a le terme connu, c'est firqa en fait. Alors il n'est pas forcément péjoratif en islam. Une secte, alors il y a le fameux hadith des 70 et quelques sectes qui va diviser l'islam. C'est un hadith qui déjà fait débat au niveau de l'authenticité. Et puis ensuite, il a fait l'objet de beaucoup de commentaires divers et variés. Donc le terme, c'est firqa, justement, de groupe. Il y a également taïfa qui est employé pour dire des groupes. Donc en fait, Ahmed Eridici, dans son livre, justement, il essaye de comprendre, il fait une analyse de c'est quoi une secte, en fait. Alors lui, il se base sur le fameux sociologue Max Weber, en fait. Et il se base aussi sur d'autres penseurs. Il apporte, lui, sa touche de musulman, parce que je pense que malgré tout, il est musulman. Et il montre bien que la secte, c'est ce qui brise la tradition. Donc on a une tradition qui est constituée, comme on vient de le dire, les sciences de la jurisprudence, les sciences du credo, les sciences spirituelles. Et la secte, c'est celle qui vient donner des éléments en dehors de ce cercle bien défini. Alors Ibn Taymiyyah, pour reprendre son exemple, lui, il est, pour dire qu'il est beaucoup plus subtil dans sa pensée, lui, il n'exclut pas de l'islam. Il fait des cercles concentriques. Il dit que le cœur, c'est le Coran et la Sunna et les salafs. Autour, et il fait des cercles concentriques, plus vous êtes proche du centre, plus vous êtes proche de la vérité. Là, on peut dire que c'est une secte au sens où il brise, donc on l'a dit, la tradition au sens où ils ont des positions qui sont en dehors de la tradition. Il rejette la notion d'autorité, telle qu'elle apparaît. Et en plus, il rejette l'islam en tant que propre, en tant que tel. Parce qu'en fait, on va pas dire, nous, qu'ils sont pas des musulmans. Les wahhabis sont nos frères, sont des musulmans. Mais eux ne disent pas forcément cela, en fait. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, mais justement, en fait, c'est parce que le terme français secte, il a une autre connotation qui fait qu'on préfère... clarifier, tout à fait. C'est pas secte au sens où avec un gourou qui vous fait faire un suicide collectif. C'est pas ça du tout. Voilà, on parle donc vraiment... C'est pour ça que secte au sens le choix du terme mouvement est peut-être plus approprié. Voilà, c'est une déviance au sens... Mais lui, il emploie le terme secte au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est un groupe déviant d'un groupe majoritaire, en fait. Et ma deuxième question, c'était... relatif à donc Mohamed Ibn Abd al-Wahhab, c'est ça, qui fait référence donc au savant peut-être décrié de son époque Ibn Taymiyyah, mais est-ce que il est certain qu'il ait effectivement fait référence totalement à la pensée d'Ibn Taymiyyah ou pas? Ah oui, totalement. C'est-à-dire que lui, il est vraiment, alors c'est ce qu'on appelle le néo-hanbalisme en fait. Donc Ibn Taymiyyah, il a créé une première rupture, il a créé une école en fait, on peut dire. Alors, les savants d'aujourd'hui, les grands ulama, disent que Ibn Taymiyyah n'est pas un auteur qu'on peut lire, parce qu'il faut être un savant pour le lire, parce qu'il y a du bon, il y a du très bon, et il y a du beaucoup moins bon, en fait. Donc les savants, en général, déconseillent sa lecture, parce que c'est complexe. On l'a vu, en plus, il serait revenu en arrière sur ses pensées. C'est comme Ibn Hajar qui le dit, c'est pas n'importe qui, on l'appelle Emil Mouminin fil Hadith. Et donc, mais très clairement, Ibn Abd al-Wahhab revendique la paternité d'Ibn Taymiyyah. Ça, c'est absolument clair. Il le dit, il a écrit des lettres, on a des lettres de lui, hein, aujourd'hui encore, qui sont éditées officiellement par l'Arabie Saoudite. Et donc, il appartient à ce qu'on appelle le néo-hanbalisme. Donc, c'est une forme appauvrie d'une partie de la pensée d'Ibn Taymiyyah. Donc, on voit, c'est un double appauvrissement du hanbalisme au niveau juridique. Donc, en fait, lui, il était hanbalite au niveau juridique, et il rejetait, pratiquement, on peut le dire, les autres écoles juridiques. Donc, on a dit qu'il y en avait quatre. Et au niveau de la aqida du croyant, c'était hanbalite également, mais hanbalite au sens anthropomorphiste, on peut le dire. Alors, on va, aujourd'hui encore, il y a des savants à la télévision, dans les chaînes arabes,
qui sont des savants wahhabites, qui ont des positions extrêmement graves, en fait, hein, qui sont de l'anthropomorphisme pur. Je rappelle quand même. Définir anthropomorphisme, parce que c'est tout le monde. Voilà, c'est le fait de donner à Dieu des qualificatifs qui sont pour l'homme. Mm-hmm. De dire que Dieu a une main, une vraie main en tant que telle, un visage comme nous, ça c'est de l'anthropomorphisme. En islam, Dieu n'est pas un vieillard avec une longue barbe sur un trône. Mm-hmm. Ça c'est de l'anthropomorphisme, en fait. Et donc, l'anthropomorphisme a existé depuis très longtemps en islam, mais là il est devenu vraiment une école. Et ça, les gens ne le savent pas, hein, parce qu'il faut venir au texte ou aux savants actuels, mais c'est vraiment lamentable. Hein, dire que Dieu a une main en tant que telle et une jambe, c'est inadmissible aujourd'hui, on ne peut pas dire ça en fait. Et alors, si on poursuit alors, dans la compréhension historique de cette secte, on a aussi entendu parler plusieurs fois de liens avec les États-Unis, avec l'Occident en général. Est-ce qu'il y a des preuves historiques là-dessus? Ah oui, alors là c'est absolument fondé. Alors c'est beaucoup plus tard. On va y revenir peut-être après, parce qu'il faudrait commencer par faire une chronologie, expliquer un peu ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc en fait, il y a grosso modo 6 étapes que nous décrit Ahmadi Redici dans le livre. Alors je vais vraiment résumer le plus possible parce que c'est très très riche, il donne beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup d'événements. Donc ces 6 étapes, c'est première étape, c'est l'émergence. Donc Abdelwahab commence sa prédication, commence ses attaques, il va mener des guerres qu'il appelle des djihad. Donc il va attaquer les populations musulmanes. Oui, musulmanes, donc il va aller jusque la Mecque, hein. Ils vont mettre à sac la Mecque quand même. Hein. Ils vont donc on peut résumer ces actes en plusieurs étapes, enfin plusieurs comportements qu'on retrouve dans l'État islamique. Premièrement, donc, mener une guerre, ce qu'ils appellent un djihad, donc, c'est-à-dire attaquer les villages. Donc, ils tuent. Donc ça, c'était à la Mecque, tout ça. Alors, c'était d'abord dans la région proche, qui sont environ à 800 km de la Mecque, hein, la région d'Aléry, hein, ça s'appelle son village. Donc, attaquer, faire des radias, comme on dit, donc ils attaquent des villages, des villes. Ils détruisent tout ce qui est vestige historique, notamment les tombes, puisque ils considèrent que c'est du shirk, de l'associationnisme, que de construire des tombes et de s'y rendre. Mmh. On pourrait y revenir après, parce que c'est un point très important. Donc, destruction des vestiges islamiques. Ils tuent les populations. Ils rendent esclaves les femmes des gens qui sont morts. Et ils pillent. Enfin, essentiellement, c'est ça. Une fois que le territoire est conquis, Ibn Abdelwahab nomme un gouverneur, nomme un imam, et qui prend la gestion. Alors, ce qui est important, ça c'est la première étape, ce qui est important de comprendre, c'est que le wahhabisme se fonde dès le départ sur un pacte. C'est le fameux titre, le pacte de Najd. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce pacte? C'est l'alliance entre Ibn Abd al-Wahhab, qui est donc, on va dire, le savant, le théologien, et celui qui va être le père fondateur de la dynastie qui règne aujourd'hui en Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Donc, l'Arabie Saoudite, ça vient du Saoud, qui est le nom de la famille royale. La tribu. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Ibn Abd al-Wahhab donc, est, on l'a vu, contraint de fuir les différentes villes où il fait sa prédication. Et il retourne dans sa région d'origine, Deleria, donc, donc dans le Najd. Et des membres de la famille de Saoud vont commencer à le suivre, à devenir ses disciples. Et ils vont en parler au prince. De la famille, le prince qui va devenir le roi, en fait, le premier roi de ce royaume, et ils rentrent en relation et ils font un pacte. Le pacte, c'est quoi? C'est que Ibn Saoud, on va le dire en version française, s'occupe des affaires politiques et militaires, et Ibn Abd al-Wahhab s'occupe des parties théologiques. Donc, il fait des fatwas, il émet des jugements, etc. Et cette famille des Saoud, ils étaient déjà au pouvoir à ce moment-là? Non, alors en fait, le Najd est alors on peut dire que donc on voit l'Arabie, le Hijaz, donc la région qui comprend la Mecque et Médine, c'est à l'ouest, donc à gauche pour les nuls en géographie. donc c'est la bande côtière à l'ouest de l'Arabie. Le Najd, donc c'est toute la partie centrale à l'est. Et donc le Najd est contrôlé par quelques grandes familles. Le Hijaz est contrôlé par les familles chérifiennes et les Hashimites. Et donc, le Najd est contrôlé par des gouverneurs, en fait. D'accord. Et Ibn Saoud, lui, n'est personne à l'époque, si ce n'est une grande famille de tribu. Ouais. Ouais, une grande tribu. Et ils vont commencer à faire des attaques ensemble.
ils vont attaquer, donc faire le djihad, ce qui s'appelle le djihad. Alors, avant qu'il contracte ce pacte, Ibn Abd al-Wahhab, il avait déjà commencé donc à mener des combats et des guerres. Il avait attaqué avec 600 personnes la tombe du frère de Omar ibn Khattab, en fait. Zayd, le demi-frère, pardon, de Omar ibn Khattab, ils vont la détruire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont avoir très peur, en se disant, quand même, c'est le demi-frère du calife Omar. Parmi les gens qui les suivaient, disons. Alors voilà, les gens qui étaient là, ils ont un peu peur quand même, parce qu'ils se sont dit, c'est quand même une profanation d'une tombe, d'un compagnon du prophète. Et donc, il avait fait cet acte-là, premièrement, et deuxièmement, il avait lapidé une femme lui-même. Ce qui est totalement interdit en islam, puisque c'est bien sûr l'État islamique qui doit faire appliquer les peines légales. Et donc, une femme qui avait reconnu l'adultère, il l'a faite lapider. Alors, faut s'imaginer que c'est un petit peu comme vous et moi, on lapide quelqu'un parce qu'on a décidé qu'il fallait lapider. C'est extrêmement grave. Donc, retour donc à nos deux, Abd al-Wahhab et Ibn Saud. Leur pacte, donc. Donc, leur pacte. Et donc, ils commencent une série de guerres. Et ils vont pouvoir profiter du fait qu'il y a un affaiblissement du pouvoir central qui fait qu'en fait, personne, ils ne vont pas rencontrer une grande, grande opposition militaire. Ils vont rencontrer une grande opposition des savants, des politiques, mais ils manquent d'armée. Et la grande force de Ibn Saud, c'est qu'il va réussir à lever des armées bédouines et va conquérir donc des villes. Alors... Là, on est à l'époque de l'Empire Ottoman, pour se fixer un peu les idées. Voilà, tout à fait. L'Empire Ottoman, donc l'empire de ce qui est de l'actuelle Turquie, qui ne va jamais réussir à contrôler complètement la partie de Nejd, qui sera justement en bordure du Hejaz. Alors, le premier royaume des Séouds, il se fonde en 1745. De 17 ans, alors on va schématiser, il y a trois royaumes qui vont se fonder. Le premier, 1745 jusqu'à 1818. Alors, Ibn Abd al-Wahhab, pour qu'on se repère, il meurt en 1798, je crois. Donc, ça, c'est le premier royaume qui va être détruit. Il va être battu par les armées du Khedive, donc du gouverneur d'Égypte, Mohammed Ali. Donc, premier repli. En 1824, second royaume qui va être mené, lui, par les cousins des Séouds, les Turquis. Le royaume est à nouveau détruit par les Ottomans, cette fois-ci directement, en 1890. Puis, de nouveau, troisième royaume, qui est encore aujourd'hui le royaume actuel donc, en 1932. Alors, ça veut dire que c'est plus d'un siècle de combat pour conquérir l'Arabie, en fait. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est plusieurs siècles de combat et plusieurs siècles de pillage. Alors, comme on a parlé en début d'émission de ce fameux État islamique... Il est bon quand même de revenir à quelques histoires, des faits historiques. Bon, déjà, la prise de la Mecque. Alors, premier événement grave, c'est la prise de Karbala. Alors, ils vont attaquer Karbala et ils vont tuer entre 2000 et 5000 personnes. Alors, c'est les sources wahhabis qui le disent eux-mêmes. Donc, il y a des chroniqueurs, juste après la mort d'Ibn Abd al-Wahhab, un disciple d'Abd al-Wahhab, Ibn Hannam, qui va écrire un livre. Ils sont plusieurs à écrire des livres qui sont publiés, d'ailleurs, officiellement par l'Arabie Saoudite. Donc, Ibn Hannam dit 2000 morts. D'autres auteurs, y compris Wahhabi, disent 5000 morts, en fait. À Karbala, en fait. Donc, ils vont saccager le tombeau de Hussein, ils vont tuer des gens, on me dit même qu'ils ont éventré des femmes enceintes. C'est vraiment ignoble, en fait. Les gens sont rendus en esclavage. Alors, encore une fois, pour ces gens, pour les Wahhabites, ce sont des mécréants. Oui, ils sont pas des musulmans. Surtout, beaucoup sont chiites. Donc, pour eux, les chiites n'étaient pas des musulmans du tout, en fait. Donc, ils détruisent Karbala et ils pillent le tombeau. Parce que très souvent dans les tombes, soit du prophète, soit des grands hommes de l'histoire, il y avait des dons qui étaient faits. Et donc il y avait des pierres précieuses, il y avait de l'argent, etc. Et donc ils vont tout prendre, en fait. D'accord. Le résultat, c'est que le roi Ibn Saud sera assassiné 2 ans plus tard par un Kurde. Alors on n'est pas sûr que ce soit un chiite du tout. Mais par contre, la vengeance de son fils, ça va être impitoyable. Parce qu'il va attaquer Bassora, et il va faire la même chose qu'à Karbala. Il va tuer les gens, et il va tout détruire. Alors, par milliers. Donc, carnage. C'est vraiment le carnage, en fait. C'est vraiment un carnage. Deuxième. Donc là, ça veut dire que la dynastie des Séouds qui a démarré donc dans le troisième royaume depuis 1932, oui. Donc c'est une dynastie héréditaire. Donc tout à fait. De père en fils, depuis sur. Tout à fait. Alors en fait, elle est héréditaire avec une rupture, dans le sens où au 19e siècle, entre 1824 et 1932, c'est pas des Séouds qui règnent, c'est soit leurs cousins. Soit l'Empire Ottoman, quand ils reprennent le pouvoir.
Mais en tout cas, les actuels chefs, enfin princes et rois d'Arabie Saoudite sont des descendants directs. Et de même que les fameux savants qu'on appelle El-Sheikh, donc les savants El-Sheikh, ils sont appelés comme ça, c'est un surnom, ce sont les descendants d'Ibn Abd al-Wahhab en fait. Donc l'actuel grand mufti d'Égypte, c'est un descendant d'Ibn Abd al-Wahhab. D'accord. On l'appelle El-Sheikh parce que le nom de famille de Ibn Abd al-Wahhab est transformé en El-Sheikh, le Sheikh. Donc, passons rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 9h, sur la prise de la Mecque, quand même, qui est importante, et de Médine. Alors là, ça va être terrible, en fait. La prise de la Mecque, il y a 56 attaques menées contre la Mecque, qui, je rappelle, est quand même dirigée par un pouvoir musulman à l'époque. C'est-à-dire que c'est une guerre en islam, dans la jurisprudence islamique, le fait de s'en prendre à un pouvoir en place, c'est passible de peine de mort. D'ailleurs, c'est ce que disent eux-mêmes les Wahhabites aujourd'hui. Et donc, en tout cas, ils attaquent 56 guerres contre la Mecque. Et ils finissent par la prendre. Donc ça, c'est en 1744. Et en 1745, ils prennent Médine. Et alors là, ça va être le carnage. Au sens où des hommes vont être tués, des hommes, des femmes vont être tués. Ils vont tout casser. Donc les maisons de Khadija, l'épouse du prophète, les tombes des compagnons, Hamza, l'oncle du prophète. Ils vont détruire une partie de Al-Ma'alla, donc le fameux cimetière de la Mecque. Donc là, on est à quelle époque? On est dans les années 1745. 1945. Ils commencent déjà à casser. Et puis, ils vont piller le trésor de la tombe du prophète. Et ça, ça va vraiment choquer beaucoup de gens. Les chroniqueurs disent qu'il a fallu 60 chameaux pour transporter le trésor qu'ils ont volé. Et ils vont donc... Ibn Saoud rentre dans la chambre du prophète. Alors, on ne sait pas s'il a... Il y a un rideau. À l'époque, il y avait un rideau qui séparait la chambre de sa tombe. On ne sait pas s'il a passé le rideau ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a volé ce qu'il y avait dans la chambre du prophète. Donc, il y avait, on rapporte qu'il y avait le sceptre ou la couronne, je ne sais plus, de Khosroès, le fameux... Perse. Ouais, Perse, mais je cherche le titre qu'il avait, on va dire le roi ouais, Perse, le roi, de l'époque du prophète. L'empereur, je sais voilà, pas. beaucoup de vestiges précieux des anciens hommes politiques musulmans, des bijoux. Et ils vont même jusqu'à aller monter sur la coupole, parce qu'ils voient des dorures, ils pensent que c'est de l'or, et ils veulent l'arracher. Et il y en a un qui tombe et qui meurt, et ils le prennent comme un signe qu'il faut s'arrêter. Comme quoi, il voyait quand même les signes quelque part. Donc là, ça va au-delà de vouloir détruire des tombes sous prétexte d'associationnisme. C'est, là, du, c'est pillage, du pillage, ni plus ni moins. Pur et simple. Alors, bien sûr, ils vont vouloir revendiquer la notion de guerre avec Radia, avec butin. Et donc, Ibn Saoud va partager le butin. Et alors, je tiens à préciser que ce que je dis, que raconte Ahmadi Redissi en détail, ce ne sont pas des sources occidentales. Hein, ce sont des sources arabes, notamment. Le grand historien de l'Égypte, qui était wahhabite d'ailleurs, qui était un partisan de cette doctrine, c'est Jabarti en fait, qui est le plus grand historien de l'Égypte, raconte lui-même un entretien entre Ibn Saoud, fait prisonnier par le khédif Mohamed Ali, et il raconte qu'il vient avec un coffre que son père donc a trouvé dans la chambre du prophète, donc il y a des émeraudes, des bijoux, etc., et il dit qu'ils ont tout pris. Donc ça, bien entendu, on verra après dans la partie réfutation, les savants vont être extrêmement choqués, parce que venir détruire les maisons, les tombes de compagnons qui sont... Personne n'a pensé à faire ça avant eux, donc il faudrait quand même se poser la question de est-ce qu'il y avait eu des savants avant nous pour interdire ça ou pas, vu que c'est resté. Pendant 13 siècles, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça, mais eux, ils disent que c'était pas possible de l'avoir. Ils cassent tout, ils tuent, ils pillent. Donc, on imagine, c'était pris à l'époque comme la fin des temps pour eux, ni plus ni moins. Mais c'est important de le préciser parce que tu l'as dit à l'instant, que le livre est très documenté. Les lecteurs et les auditeurs pourront s'en rendre compte parce que j'ai sous la main l'ouvrage et il y a quand même plus de 10 pages de bibliographie. Tout à fait. Et encore, il le dit lui-même qu'il a réduit volontairement. Parce que comme c'est pas un texte universitaire, il a pas voulu surcharger le livre. Et puis il s'appuie notamment sur une thèse d'une historienne tunisienne qui a fait une thèse sur les lettres de réfutation sur Abd al-Wahhab. Alors, on va conclure rapidement sur le troisième royaume. Avant de faire une pause, Et ça va permettre de répondre à la question très bien, on peut venir avant sur de... les Américains. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'alliance avec les Occidentaux. C'est un groupe en Arabie. Alors... au plus fort de leur règne, ils vont régner sur pratiquement toute l'Arabie actuelle, le sud de l'Irak, donc l'Irak c'est au nord de l'Arabie, hein, le sud de l'Arabie, donc le Yémen actuel, Oman, le Koweït, c'est toute cette zone-là qui va être dirigée. Finalement, l'Empire ottoman décide de prendre les armes, alors qu'ils sont déjà malmenés par ailleurs, parce que les Anglais leur font la guerre ailleurs, mais ils prennent les armes, ils défont
le deuxième royaume. Et donc Ibn Saud, le roi, donc le petit-fils maintenant qui a fondé le royaume, est tué. Il est même massacré. Il est même massacré par le pouvoir ottoman. Et je passe rapidement. Troisième étape et dernière étape, c'est à partir de 1902, Abdelaziz Ibn Saud, qui vit en exil vu que sa famille a perdu la guerre, décide de reprendre à partir de 1902 le pouvoir de ses ancêtres, entre guillemets, et il attaque Riyad, l'actuelle capitale, avec 40 hommes seulement. Ils prennent le palais de Riyad, parmi Al-Masmak. C'est toujours aujourd'hui le centre, donc la capitale du pays, et c'est le début de la conquête, lui, ses fils, et il va avoir une idée de génie pour l'époque, entre guillemets, c'est qu'il va créer une armée. Le problème de l'époque, c'est que les armées sont menées par des bédouins qui viennent avec vous faire la guerre. On le voit très bien dans le film Laurence d'Arabie. Ils viennent faire la guerre, ils prennent du butin, ils rentrent chez eux. Donc Ibn Saud décide de faire une chose qui va coûter très cher à l'Arabie Saoudite, c'est qu'il va créer une armée entièrement composée de bédouins. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on les... Donc une armée professionnelle. Une armée professionnelle. Mmh. On les endoctrine, on leur inculque un savoir religieux. Donc il y aura un imam pour 50 personnes. On les nourrit, on leur donne de l'argent, ils participent avec nous aux guerres, et on en fait des hommes de combat. Donc c'est une caste de guerriers qui va être créée par Ibn Saud, et ils les appellent les Ikhwan, les frères. Et ces frères vont devenir incontrôlables parce qu'ils vont devenir plus wahhabites que Ibn Saud lui-même. Donc ils lancent le djihad et ils partent à la conquête du Hijaz, de la Mecque et de Médine. C'est son fils Faisal qui va commencer ce combat en 1924. Ils vont attaquer Taif, ils vont piller la ville, ils vont massacrer toute une partie de la population. Et quand les habitants de la Mecque entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Surtout qu'ils savent qu'il y avait des précédents. Et donc, ils rentrent dans la ville, les Wahhabites rentrent dans la Mecque, sans même avoir besoin de faire des combats. Et là, ils achèvent pratiquement le travail, ils cassent ce qui reste à casser. On sait que, par exemple, Baqi'a, le fameux Baqi'a, il va être rasé en 1932. Le cimetière. Ouais, le cimetière de Baqi'a va être... de Médine, pardon. Va être rasé en 1932. Ma'ala, il va être définitivement rasé aussi après. Et donc, destruction systématique de tout ce qui est vestige, tombe, maison, tout ce qui appartient à l'histoire de l'islam. Au nom de quoi? Au nom de... Ça peut être du shirk, de l'associationnisme. Les gens, en voyant la maison de Khadija, vont se mettre à adorer la maison. À se prosterner. À se prosterner. Oui. Et donc, ils vont systématiquement tout raser. Alors, dernière chose, entre 1926 et 1936, Ibn Saud va commencer à être pragmatique. Il ne va pas pouvoir être toujours dans l'extrémisme de la pensée d'Ibn Abdel Wahhab. Et il va vouloir stopper le djihad. Et là, les Ikhwan, donc la fameuse caste guerrière, ils vont dire non. Et ils vont mener des guerres contre Ibn Saud. Et donc, il va devoir, avec les ulémas vont mettre des fatwas, il va faire des concessions. Et ils vont rentrer dans le rang, ces Ikhwan, et ils vont devenir un petit peu comme les anciens... combattants en France, avec une rente, ils vont être payés chaque année, leurs descendants également, hein, aujourd'hui encore. Les descendants des Ikhwan, donc les frères militaires continuent à percevoir des pensions militaires. Alors, on arrive à la dernière étape qui répond à la question que tu posais il y a quelques minutes. Enfin. Il faut y arriver. C'est important. Ça, l'histoire. La fameuse alliance qui perdure aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors elle arrive très tardivement, elle arrive en 1945 seulement. Donc, 1945, le président américain, c'est Roosevelt. C'est le président qui va mener la guerre contre Hitler. Et Roosevelt a des spécialistes, des espions qui lui disent, voilà, le centre de gravité du monde se tourne vers l'Arabie, le pétrole, ils le savent déjà. Les Arabes ne le savent pas encore, mais il y a le pétrole. Et donc, il faut absolument se faire bien voir par eux. Donc Roosevelt va partir et il va rencontrer le roi Ibn Saud de l'époque. Alors ça se passe en 1945 au bord d'un bateau, le Quincy. Et l'auteur Ahmadi Redici va parler du deuxième pacte, le pacte du Quincy. Alors, il y a une particularité et ça a peut-être dû beaucoup jouer, c'est que Roosevelt comme Ibn Saud sont tous les deux en chaise roulante. Ils sont tous les deux paralysés en fait. Alors sauf que Ibn Saud n'a pas une chaise roulante, il a une chaise tout court. Et Roosevelt lui a une chaise roulante qu'il va offrir à Ibn Saud. Et là, Ahmadi Redici dans le livre, il dit qu'ils étaient faits pour s'entendre. Ils sont tombés vraiment amis. Et ils ont conclu un pacte. Roosevelt s'est engagé en son nom à ne rien faire. Alors à l'époque 45, on est 3 ans à la création d'Israël. Oui. Donc Ibn Saud ne parle que de ça avec
Roosevelt. Il lui dit, on ne veut pas d'un État juif en Palestine. Roosevelt s'engage. En son nom, il dit, il n'y aura rien sans le consentement des Arabes. Il s'engage fermement et il y a une alliance qui veut que, grosso modo, les Américains protègent les Saoudiens et les Saoudiens alimentent en pétrole les Américains. Comment c'est un pacte économique ? Alors c'est un pacte économique et de protection. D'ailleurs, Ahmadi Redici prend il dit c'est comme le pacte des Vimy en islam, où l'État islamique protège les minorités non musulmanes, sauf que là c'est le contraire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors Roosevelt va mourir 8 jours après. Donc la promesse ne sera pas tenue par rapport à la Palestine, mais c'est le début d'une longue, très longue amitié américano-saoudienne. D'accord, très bien. Bon, alors... Des couffards. Au passage, on va voir que ça va coûter très cher aux Saoudiens. Très bien, bah, en tout cas c'est très riche. On va laisser nos auditeurs se reposer un petit peu. Alors je vais rappeler le titre de l'ouvrage dont on parle ce soir, Le pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam, de Hamadi Redici aux éditions du Seuil, paru en 2007. Alors aussi vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission et on sait qu'il y a souvent des problèmes techniques pour pouvoir l'écouter sur les ondes de la radio Pastel FM et surtout sur le site internet. Alors dorénavant il y a un blog qui a été créé pour pouvoir archiver les différentes émissions. Donc c'est pas encore tout à fait au point, mais celle d'aujourd'hui était déjà annoncée. Alors vous pouvez vous connecter sur laprophétie.wordpress.com, donc laprophétie en un mot .wordpress.com, et donc c'est .com. Donc les émissions seront dorénavant disponibles sur ce site. Ainsi que les références des ouvrages. Ainsi que les références de ces ouvrages. Et on se retrouve dans quelques minutes après une courte pause. De retour sur les ondes Pastel FM, il est 21h, passé de 18 minutes. Donc nous poursuivons notre émission sur l'histoire du wahhabisme, et en particulier l'évolution de sa doctrine et ses pratiques depuis les origines à nos jours, c'est-à-dire une histoire de plus de 300 ans, plus de 3 siècles. Donc on a avec notre invité Daoud Rifi, on a parcouru d'abord l'historique depuis la fondation de ce mouvement ou cette secte. On avait vu aussi comment ils étaient considérés d'emblée comme une hérésie, parce qu'ils s'écartaient totalement de l'orthodoxie islamique. Et la question qu'on se pose, elle a été déjà un petit peu évoquée juste avant la pause, c'est, mais finalement, s'ils n'ont pas eu d'opposition ou de résistance plutôt militaire lorsqu'ils ont pillé et attaqué les villes d'Arabie, on avait dit tout à l'heure que les savants, eux, par contre, se sont opposés à eux. Et alors, comment s'est passée cette opposition ? Est-ce que les wahhabis avaient publié des textes qui ont été étudiés par les ulamas, ou est-ce que les ulamas se sont surtout prononcés sur leurs actes ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait, il y a eu les deux. C'est-à-dire que Ibn Abd al-Wahhab va un petit peu imiter la façon de faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va envoyer des lettres. Alors ce qui a beaucoup choqué à l'époque, parce qu'en fait, il envoie des lettres comme si... Alors il envoie des lettres à qui ? Au chef d'État musulman, au roi, enfin donc le sultan du Maroc de l'époque, aux différents gouverneurs des pays musulmans, en Tunisie, ailleurs, en Irak. Et dans ses lettres, il dit, en gros, vous n'êtes pas de vrais musulmans, vous ne suivez pas la doctrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que justement, il suivait la charisme, donc le credo, l'école de théologique, je veux dire, les oui. opposants, hein, oui. suivaient l'école théologique de Acharit. Et donc, Ibn Abd al-Wahhab leur envoie des lettres en disant, craignez Dieu, revenez à l'islam authentique, suivez-moi. Et abandonner l'idolâtrie. Alors, faut imaginer ce que ressent un savant de Fès, de Tunis ou du Caire lorsqu'il reçoit un courrier lui disant qu'il n'est pas musulman et qu'il doit faire son repentir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y aura toute une série de textes qui vont s'appeler Radda, donc des réfutations, qui vont être écrits par des musulmans. Alors, l'auteur Ahmadi Redici en parle dans le livre. Du Maroc jusque l'Inde, on aura des savants qui vont envoyer, on en a retrouvé 200 à peu près, 200 lettres, quand on dit des lettres, ce sont des textes en fait, de réponses, environ, en tout cas plusieurs dizaines de textes,
dans lequel ils répondent à Mohammed Abdel Wahhab. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que la plupart de ces textes ont le même titre. C'est réfutation de l'innovateur. L'innovateur, oui. C'est Abdel Wahhab. Donc, Radda alal Mubtadi'a. Enfin, c'est l'innovateur ou l'égaré. Les réponses à l'égaré qui égare. C'est très souvent ce genre de titre qu'il y a dans ces lettres. Et donc, les ulama vont répertorier un certain nombre d'éléments auxquels ils vont répondre. Premier élément, alors là, ils sont unanimes pour le dire, la personne, Abdel Wahhab, ne connaît rien aux sciences islamiques. Ça y est, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Et son propre frère, le propre frère d'Abdel Wahhab, donc Sulaiman, on en a parlé, qui sera persécuté après, lui-même le dit dans un livre qui a été publié d'ailleurs en langue arabe, Les foudres divines contre le wahhabisme, c'est comme ça qu'il l'intitule, dans lequel il dit que les bases fondamentales de la science islamique sont pas présentes dans les ouvrages d'Abdel Wahhab. Donc premier élément, première condamnation, celui qui nous écrit ne connaît pas les bases de la religion. Deuxième élément, comme il ne connaît pas les bases de la religion, il ne comprend pas le credo islamique et il confond, alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il confond des questions de juridiques avec des questions de credo. En gros, c'est quoi ? C'est qu'Ibn Abd al-Wahhab, pour lui, quand vous faites tel acte, vous devenez mécréant. Alors que quand on fait tel acte pour les savants, on est pécheur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il fait ce qu'on appelle le takfir, l'excommunication, le fait de vous sortir de l'islam. Ça, c'est encore un élément qu'on a aujourd'hui. Les groupes takfiri, qu'on appelle takfiri, ils font un anathème, l'excommunication. Ils disent, vous n'êtes pas musulman. Par exemple, je donne un exemple aujourd'hui. Si vous votez dans un pays musulman comme non musulman, si vous participez aux élections, ou si vous considérez que les élections sont une chose normale, vous êtes kafir pour les groupes takfiri. Vous êtes mécréant. Et soit vous vous repentez, soit on vous tue. C'est leur discours, en fait. Ouais, donc la grande différence, c'est pas le fait de reprocher un acte aux gens, c'est la conséquence de cet acte. Voilà, en fait, ça fait sortir de l'islam. Tout le problème est là, en fait. Et c'est ce que vont relever tous les ulama, c'est qu'ils disent, Abdel Wahhab confond un péché, et encore, ils disent que ce n'est même pas un péché ce qu'ils condamnent, mais admettons que c'en soit un, c'est un péché au sens où on commet une faute, un peu comme je bois de l'alcool ou je ne fais pas ma prière. Quoique non, c'est pas le bon exemple, on va dire comme je bois de l'alcool ou je fais je ne sais quoi. Alors ça c'est un péché. Alors que le fait d'être mécréant, c'est l'enfer éternel. Et Abdel Wahhab, c'est nier Dieu. Et donc, pour Abdel Wahhab, lorsque vous vous rendez dans un endroit où sont faites telle et telle chose, vous devenez mécréant. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, ignorance de Abdel Wahhab et de ses fidèles. Confusion entre le juridique et la croyance. Troisième condamnation, le fameux triple tawhid, le fait de diviser en trois parts, il faudra avoir les trois parts pour être un vrai croyant, ça ils disent que c'est une bid'ah. Et dernier élément qu'on peut retenir, le fait de rejeter la divergence dans la jurisprudence. Donc ça c'est les grands points qui m'ont relevé, et leur conclusion elle est claire, c'est un innovateur qui mérite la prison au minimum. Ils sont clairs et nets par rapport à ça. Ils sont plus gentils que lui, en tout cas. Oui, mais certains un consensus en plus. Alors, il y avait vraiment un consensus, et c'était même devenu une insulte à l'époque. Lorsque vous aviez certains propos, lorsque vous ne suivez pas une école juridique, on vous traitait de wahhabite à l'époque déjà. Donc ça, c'est la partie réfutation. Alors, je renvoie les lecteurs sur... Il y a plusieurs chapitres sur ce sujet-là. C'est passionnant. Et c'est la grande force du livre, hein, c'est qu'il montre que c'était une secte à l'époque d'innovateurs. Ils faisaient des bid'a pour les savants de l'époque. D'accord. Oui, bah donc si tu précises à l'époque, c'est que ça a changé depuis. Tout à fait. Alors, mais comment on peut expliquer ça ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des accointances entre les Américains, les Occidentaux. Il y a l'histoire du pétrole, il y a le pacte de Quincy. Oui. Et est-ce que ça pourrait suffire à convertir les esprits, si on peut dire ça ? Parce qu'aujourd'hui, le wahhabisme a gagné du terrain, et pas seulement... en Arabie. Alors, c'est le cœur du propos de Redici. Il pose la question, il dit en page 143, comment donc une secte belliqueuse, donc une secte guerrière, qui a tué, saccagé, profané et pillé les lieux sacrés, a-t-elle pu obtenir un certificat de bonne conduite, donné par ceux-là même qui l'ont combattu ? C'est la question qu'il pose. Et alors là, c'est vraiment le tour de force de son livre, c'est qu'il fait une généalogie, il dresse comment on est passé de la secte à l'islam officiel en citant des cas d'intellectuels qui sourds n'ont rien à voir avec Ibn Abd al-Wahhab. Et donc, alors pour faire bref,
Il commence en expliquant une chose forte, c'est que ça a été possible parce qu'en fait, la tradition était malmenée à l'époque. Il faut se rendre compte que lorsque le wahhabisme est accepté dans le monde musulman, c'est le début du XXe siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le Maghreb est colonisé, que la Palestine est sous mandat britannique, que l'Empire ottoman est dépecé. Donc il y a un affaiblissement de l'islam au sens politique. Premier élément. Deuxième élément, il y a un affaiblissement de l'islam au sens intellectuel. Les autorités religieuses ne sont plus reconnues. On a vu tout à l'heure en début d'émission qu'une autorité religieuse, c'est une personne qui a reçu un enseignement qui remonte au prophète par un isnad, par une chaîne de transmission. Ça disparaît. Et au alim, au savant, va succéder un nouveau type de personnage, le musaqqaf, le lettré, l'intellectuel. Et c'est ce musaqqaf qui va ouvrir la porte d'entrée de l'islam officiel. Alors, il cite plusieurs noms. Alors, qu'est-ce que c'est ce musaqqaf ? Alors, le musaqqaf, c'est donc l'intellectuel qui n'est pas un savant au sens où il n'a pas étudié de manière traditionnelle. Il peut étudier en université, il a pu faire El Azhar là éventuellement, mais c'est déjà les universités ont déjà été beaucoup transformées, elles ont été beaucoup réformées. Il n'y a pas un enseignement traditionnel comme on avait autour d'un maître assis qui transmettait un ouvrage. Il y a une rupture avec la transmission de l'enseignement comme c'était fait jusque-là. Alors là, on ne peut pas rentrer dans le détail ce soir, mais donc il y a une série de réformes qui sont faites à Al-Azhar qui vont par exemple faire entrer les sciences profanes, les mathématiques, d'autres choses, la médecine. Donc le type d'enseignement va être transformé. Et en fait, le lettré, le musaqqaf, il est une personne qui est un écrivain, qui va aimer la littérature. Ils vont souvent voyager en Europe, et ça va être déterminant pour eux. Ils vont partir à Londres et à Paris notamment. Donc ils sont plusieurs à faire cela. Et ce qui va les animer, et c'est ce qui va causer leur confusion avec le wahhabisme, c'est la tristesse de voir le monde arabe à terre. D'accord. Et donc ils vont oublier toute la partie, c'est ce que montre très bien Reddy ici, toute la partie doctrinale d'Abdel Wahhab, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, on va le mettre de côté. On va ne retenir qu'une chose, c'est qu'un homme a levé une armée et a brisé les fausses idoles, a mis de côté les faux savants, et on va construire toute une mythologie, parce que c'est une vraie mythologie, et l'histoire de cette chose-là est à faire encore aujourd'hui. C'est le fait de dire que les savants de l'époque étaient tous des mauvais savants, et que les hommes spirituels étaient tous des hypocrites qui aimaient l'argent. Tout ça, ce sont des mythes qu'ils ont construits. Oui, tout à fait. C'est intéressant, parce que ce type d'argument, on les entend encore aujourd'hui. Tout à fait. C'est de dire que les musulmans étaient colonisés parce qu'ils étaient colonisables, parce que c'est la faute des savants, parce que Alors qu'en fait, c'est faux. On le sait qu'il y avait des immenses savants qui avaient une pensée bien plus profonde que ce dont on parle ce soir, du Maroc jusqu'à l'Inde, je veux dire. Il y avait vraiment des grandes autorités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mouvements indépendantistes dans les pays musulmans étaient tous liés au mouvement réformiste. Alors le mouvement réformiste, c'est un terme qui est très large, hein. Ça va des rationalistes purs à Hassan el-Benna, et alors ils n'ont pas tous la même valeur, mais on va dire que le point commun entre le réformisme d'une part et le wahhabisme d'autre part, c'est que dans ces deux courants, il y a une volonté de passer outre l'héritage intellectuel des années précédentes. On a parlé d'une renaissance arabe, parce que à la renaissance en Europe, vous avez des intellectuels, des philosophes, qui vont dire le Moyen-Âge était un âge de ténèbres, on va revenir aux sources de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'Empire romain, l'héritage grec. Ils vont faire la même chose des mouvements réformistes et wahhabites, ils vont prétendre revenir à l'héritage des salafs, en enjambant plusieurs siècles de traditions qu'ils considèrent comme sclérosées. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, parce que c'est trop complexe, je renvoie vraiment... De toute façon, c'est une mise en bouche, hein. On doit renvoyer les lecteurs au livre. Voilà. Mais ce qui est déterminant, c'est de comprendre que ça va être le début des savants ou des intellectuels autodidactes. Je vais prendre un cas très concret, sans mépris aucun, parce qu'il est très important aujourd'hui dans l'islam d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes en France et même dans les mouvements violents dans les pays arabes. C'est le cas de El-Bani, le cheikh El-Bani, qui est ce fameux savant dont on peut acheter des livres partout aujourd'hui en France pour 5 euros. C'est un cas de figure exemplaire de ce mouvement-là. C'est un homme qui n'a pas étudié du tout. Il n'a pas du tout été ni à l'université, ni dans des cercles avec des savants. C'est un homme qui était un horloger et qui était pris de passion pour la science, notamment la science du hadith. Et il va passer des années dans la bibliothèque Al-Zahiriya de Damas à lire des livres. Et il va commencer à corriger les hadiths.
à dire tel hadith est juste, tel hadith n'est pas juste. Donc il va s'initier tout seul par les livres à ce qu'on appelle ilm al-rijal, la science des hommes, qui est une science qui permet de déterminer la valeur d'un hadith. Et Ibn Abd al-Wahhab, le Cheikh Albani est un bon exemple de cet autodidacte qui va venir bouleverser les repères, qui fait qu'aujourd'hui on va mettre à la même place quelqu'un comme Albani qui n'a étudié avec personne, et quelqu'un comme le Cheikh Roumari par exemple, qui est le grand savant marocain, un des plus grands savants du XXe siècle, qui lui est barre de diplôme, qui a étudié avec tous les grands savants de son époque, qui a pris par cœur des dizaines et des dizaines de milliers de hadiths et des très grands nombres de livres. On va les mettre sur le même, la plupart des gens ne connaissent même pas Roumari d'ailleurs en France, on va les mettre sur le même plan, alors qu'on a d'un côté un intellectuel qui a appris tout seul, et de l'autre un vrai savant, un héritier, mais qui n'est pas écouté. Et tout le problème du XXe siècle, c'est que le Moussaqraf, l'intellectuel, va beaucoup écrire dans les journaux. Et on le sait, hein, toute personne qui connaît un peu les pays arabes sait que le journal a une grande place, le journal papier a une très grande place dans les pays arabes. Déjà à l'époque, la presse arrive, on a les premières imprimées qui arrivent en Égypte, et c'est par la presse, par les journaux arabes, que les idées du wahhabisme, on va complètement effacer cette histoire dont on a parlé ce soir, qui est dramatique. On va oublier les meurtres, on va oublier le saccage, on va oublier la rupture avec la tradition, pour ne retenir qu'une chose: il est venu dans une époque où les Arabes étaient devenus des païens, et il a sauvé les Arabes. Alors, ce qui est terrible dans son livre qu'il raconte, c'est que même une figure comme Taha Hussein, un grand intellectuel égyptien qui était à la limite extrême d'être un non-musulman, même lui considère Mohammed Ibn Abd al-Wahhab comme un grand réformateur de l'islam. Et donc il montre très bien, donc je renvoie les auditeurs à cette histoire d'une réhabilitation. Il appelle ça l'hérésie réhabilitée, c'est le troisième partie de son livre, dans lequel il montre comment la secte est devenue l'islam officiel. Incroyable, effectivement. Très bien, alors peut-être pour conclure, comme il ne reste plus beaucoup, beaucoup de temps, ce wahhabisme, alors comment il a évolué depuis, parce que là on a vu plusieurs étapes, le fait qu'au tout départ c'était une hérésie, puis les ulamas se sont soulevés contre Ibn Abd al-Wahhab avec les fameuses réponses à ses lettres, et qu'ensuite il a profité à la fois d'un affaiblissement, on a dit, du monde musulman, et aussi d'une mise en second plan des véritables savants, et que, profitant de ce contexte, il a été en quelque sorte réhabilité avec l'aide du réformisme et du nationalisme arabe. Et comment a évolué le wahhabisme jusqu'à aujourd'hui encore? Parce qu'aujourd'hui, le wahhabisme n'a pas disparu. Du tout. Alors, il y a la rupture de Albani, on peut le dire, c'est une véritable révolution, parce qu'Albani va être encore plus puriste, entre guillemets, que Ibn Abd al-Wahhab. Alors lui, il va rejeter complètement les quatre écoles, il dit carrément que c'est une bid'a. D'ailleurs, il condamne Albani, condamne Ibn Abd al-Wahhab parce qu'il était resté hanbalite. Il va rejeter, mais alors de manière radicale, tout ce qui s'est fait. Il va même corriger les fameux recueils de Bukhari Muslim en disant qu'il y a des hadiths dedans qui sont da'if. Ça, beaucoup de gens qui lisent Albani ne savent pas. Il va fonder une nouvelle école, en fait, une école sans école. Alors le Cheikh El-Bouti, il a écrit un livre dans lequel il lui répond, qui était traduit en français, qui s'appelle La non-conformité aux quatre écoles, la plus grande hérésie du XXe siècle, qui est un livre qui était traduit en français, qu'il faut absolument lire. Et donc Albani, ça va être une grande rupture. Ça va être la grande rupture. Alors au départ, il va être accepté en Arabie Saoudite. Il va enseigner là-bas, puis quand il va commencer à critiquer Ibn Abd al-Wahhab, il va être expulsé. Mais il va être le protégé d'une autre très, très grande figure actuelle, enfin, qui est mort depuis quelques années, c'est le Cheikh Ibn Baz, en fait. Donc Albani Ibn Baz meurt tous les deux dans les années 90, je crois, hein, donc c'est vraiment des savants contemporains. Et donc de Albani va naître un groupe, un sous-groupe du wahhabisme qui s'appelle Ahlul Hadith, les gens du Hadith, qui sont donc des gens qui vont rejeter complètement les écoles juridiques, mais alors complètement, et se concentrer uniquement sur les sciences du Hadith. Et de ce groupe va naître une multitude de sectes, mais on peut le dire vraiment de sectes, qui vont passer leur temps à se tirer dessus. Et par exemple, ce qui est frappant, c'est que l'État islamique considère que la famille islamique actuelle, l'État islamique, le Daesh, donc en Irak, oui, hein, le I actuel, dit que les Saoudiens sont des mécréants, et les Saoudiens disent de l'État islamique qu'ils sont mécréants. D'accord. Et ils ont peut-être tous les deux raison. Alors, justement, je vais ouvrir une parenthèse qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se demander, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait une telle chose n'ait pas été annoncée par le prophète de l'islam lui-même? Et il y a un hadith qui est cité en partie, et uniquement en partie, et on va voir pourquoi il est cité qu'en partie, qui est cité par les deux camps,
le Daesh d'une part et les Saoudiens d'autre part. Justement pour se... Pour se jeter l'anathème, dire qu'ils sont kuffars. C'est le fameux hadith qui parle des khawarij, de ceux qui sont sortis de l'islam. Et donc, le hadith, l'extrait qui est toujours cité, que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent, c'est donc le prophète qui annonce qu'à la fin des temps viendra un groupe de gens, il est qualifié d'ailleurs de jeunes gens, et il dit qu'ils réciteront beaucoup le Coran, mais le Coran ne descendra pas plus bas que leur gosier, leur gorge. Et ils quitteront l'islam, ça c'est le hadith qui est toujours cité, aussi plus vite que la flèche quitte son arc. Alors là, j'ai encore lu récemment, j'ai un ami, collègue, qui m'a ramené un dépliant qu'il a trouvé dans une mosquée pour dire que l'État islamique c'était des mécréants, donc. Et donc, la fatwa du shir saoudien cite cet extrait. Mais il en oublie une partie. Volontairement, je, alors. Je vais pas dire volontairement, je vais commencer à présupposer. Mais en tout cas, c'est curieux qu'on ne le cite pas du tout. Parce qu'en fait, le compagnon qui rapporte le hadith a providentiellement eu l'idée de décrire la personne dont parle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith précieux qu'on retrouve dans le livre de Taïb Chouiref, Les enseignements spirituels du prophète, le volume 2 aux éditions Tasnim, dans le chapitre sur la fin des temps. Alors, c'est donc un chapitre qui cite un certain nombre de hadiths du prophète sur la fin des temps. Alors je ne vais pas tout lire, mais je vais lire donc l'essentiel. Donc c'est un homme, le prophète a fait une guerre, il partage un butin, et un homme vient et dit au prophète, Ya Rasulallah, ittaqillah, ô prophète de Dieu, crains Dieu. Ce qui est assez, dans le terme. Contradictoire, voilà. Alors, bien entendu, le prophète, qui est quelqu'un de logique, lui dit, en tant que prophète, ne suis-je pas plus à même de craindre Dieu? Et il lui dit, tu partages de manière injuste, c'est pas bien. Le butin. Alors le prophète lui dit que non, pas du tout, et l'homme est en colère et s'en va. Alors les compagnons qui sont outragés par ce comportement, un des compagnons propose au prophète de tuer l'homme sur place, et il refuse. Et il dit... Le prophète refuse. Mmh. Et donc le hadith... poursuit, là je cite le hadith qui est rapporté par le Bukhari quand même, hein. Donc qui est absolument authentique. Le prophète regarda l'homme qui s'éloignait en lui tournant le dos et dit, donc le prophète dit, en vérité, de la descendance de cet homme apparaîtra un peuple qui psalmodiera le Coran, donc qui récitera continuellement le livre de Dieu, mais sans que cette lecture descende plus bas que le gosier, ils s'éloigneront plus vite de l'islam que la flèche va à sa cible. Et le compagnon qui rapporte le hadith va extrêmement... Enfin, c'est pas lui qui va loin. Il dit, il me semble que le prophète conclut ainsi, si je les rencontre, je les ferai périr comme ont péri les Thamoud. Et dans un autre hadith, le prophète dit en parlant de ces hommes, certes il y a... Alors, il dit, si vous veniez à les rencontrer, faites-les périr, certes il y a en cela une source de récompense le jour du jugement. Donc oui, c'est deux hadiths rapportés par le Bukhari qui parlent d'un groupe qu'on appelle Khawarij, ceux qui ont dévié du groupe. Et alors le shir, le grand mufti d'Égypte de Syrie, le grand mufti d'Arabie Saoudite actuel cite ce hadith en parlant du Daesh, donc du pseudo État islamique. L'État islamique cite ce hadith en parlant des Saouds, mais personne ne cite l'homme, ne cite le hadith en entier. Et qu'est-ce que dit le compagnon du prophète? Il va décrire cet homme qui a dit « Ya Rasulallah, ittaqillah ». Il va dire son apparence physique. Alors, je reprends le texte. « Un homme aux yeux enfoncés, aux pommettes saillantes, donc qui ressortent un peu, au front proéminent, donc un front large, à la barbe épaisse et crépue, au crâne rasé ayant retroussé le bas de sa tunique ». Donc c'est un homme qui a une barbe hirsute, qui a un pantalon, enfin pas un pantalon, c'était un évahar à l'époque, qui est remonté plus court que les autres. Et cet homme qui n'a aucun adab, aucun respect pour le prophète, va avoir une descendance. Et c'est quand même incroyable quand on sait qu'aujourd'hui, ce courant se caractérise notamment par une apparence physique que tout le monde connaît en fait. Y compris quasiment identique à ce que l'un a dit. Tout à fait, à peu de choses près qu'il y a une paire de baskets au pied. Mais c'est quand même incroyable la description. Comment ? Les Américains. Excuse-moi, mais... C'est les restes du pacte. C'est les restes du pacte. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point la description est précise. La barbe, le crâne rasé, et d'ailleurs le grand mufti d'Arabie Saoudite, de la Mecque, de l'époque d'Ibn Abdel Wahhab, juste après la mort d'Abdel Wahhab, le shir Dahlan, qui a écrit un livre pour lui aussi qui a fait partie des réfutations, il cite ce hadith et il dit, ces hommes-là sont les hommes du hadith qui se rasent la tête
alors que les Arabes ne se rasaient pas la tête, notamment les Arabes d'Arabie, parce qu'ils avaient les cheveux longs, contrairement aux Maghrébins qui ont généralement les cheveux moins longs, plus frisés. Mais donc, une des signes, c'est donc la barbe non soignée, le crâne rasé, la tunique remontée. C'est quand même frappant que ce hadith ne soit jamais cité. Oui, surtout que le début est cité, c'est ça. Le début est dans le hadith Bukhari quand même, donc c'est important. Donc en tout cas, une série de sectes qui vont naître, dont les plus violentes vont être celles de l'État islamique qui se revendiquent complètement de ces savants-là. Bien, ça donne envie effectivement d'en savoir beaucoup, beaucoup plus hein, sur cet ouvrage qui, comme tu l'avais précisé, reste très documenté, puisqu'il y a les références qui sont données. Oui, donc pour ceux qui pourraient avoir plus de 10 pages de bibliographie pour un livre qui n'est pas censé être universitaire. Et malgré, donc encore une fois, malgré parfois les remarques de l'auteur qui pourraient, ouais, notamment c'est ce que j'allais dire, l'introduction est la plus pénible. Parce que bon, ils se sont obligés de citer certains auteurs qui sont pas forcément nécessaires, mais le cœur de l'ouvrage est absolument passionnant et l'analyse est vraiment forte, notamment l'analyse de comment la tradition est détruite, comment on coupe l'épée de la religion par l'épée de la religion. Ça, c'est vraiment vraiment important. Très bien. En tout cas, merci Daoud pour cette présentation passionnante de ce sujet qui est non seulement très important, mais aussi qui est plus que jamais d'actualité. Alors pour nos auditeurs, on vous renvoie donc à l'ouvrage qui a été la base de cette émission, Le Pacte de Najd de Hamadi Redissi, ou Comment l'islam sectaire est devenu l'islam, donc qui est paru aux éditions du Seuil en 2007. Tout à fait, on peut se le procurer à la lumière d'Orient.com, en ligne. Ainsi que l'autre ouvrage dont tu as cité voilà, Les enseignements spirituels du prophète de en deux volumes de Taïeb Chouiref, édité aux éditions Taslim en 2008, également disponible sur le site leslumieresdorient.com. Alors je précise pour que excusez-moi, je suis enseignant donc ça sort tout seul. Donc pour que les auditeurs puissent se repérer dans le site, le livre de Hamadi Redissi est dans la rubrique histoire et monde contemporain, et le livre Les enseignements spirituels se trouve dans la rubrique Hadith et spiritualité. Très bien. Merci beaucoup Daoud. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de notre émission. Et on présentera un ouvrage qui, pour le coup, lui, est tout à fait autre chose que le wahhabisme. Et qui nous montre bien ce qu'est l'islam authentique et traditionnel. Tout à fait. Très bien. Donc on se retrouve dans quelques instants. Merci de rester avec nous. De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 21h47. Donc si les insomniaques sont encore nombreux à nous écouter, encore un peu de patience, on va vous parler d'un dernier ouvrage après cette longue tirade de notre ami Daoud Rifi sur ce sujet passionnant et passionné qui était le wahhabisme. Alors pour terminer notre émission, on va vous présenter un petit ouvrage de Roger Dupaquier. Donc Roger Dupaquier, en deux mots, Dupaquier, P-A-S-Q-U-I-E-R. Donc c'est un petit ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil également, et qui s'intitule « Découverte de l'islam ». Donc c'est un petit livre qui a d'abord été édité dans une petite maison d'édition en Suisse, avec l'Institut islamique de Genève, et qui a été réédité un peu plus tard. Donc la première édition, elle date de 1984, et qui a été réédité, je crois, en 2001, aux éditions du Seuil. Alors, j'ai choisi ce livre pour des raisons précises. D'abord parce que c'est le pendant de tout sujet qu'on a abordé ce soir, mais aussi parce que il est très simple d'accès, très facile à lire, et il est écrit par un occidental, donc musulman, mais qui était de tradition chrétienne. Et la rencontre donc entre ce thème et cet auteur rend le livre particulièrement intéressant, et je vais du coup y revenir pour comprendre pourquoi. D'abord, très rapidement, le livre est structuré de manière assez, assez simple. Il y a environ 7 chapitres. L'auteur d'abord explique pourquoi il a écrit ce livre, et nous dit en particulier qu'il l'a rédigé à la demande de plusieurs de ses amis qui avaient eux-mêmes embrassé l'islam, qui n'étaient pas musulmans,
et ils lui ont demandé s'il pouvait composer un livre pour pouvoir montrer le véritable visage de l'islam, l'islam authentique. Parce que justement, comme ces personnes-là sont nées dans les années d'après-guerre ou de l'avant-guerre, à cette époque-là, l'islam était connu, soit pas du tout connu des Français, soit connu uniquement dans les sphères, disons, savantes, par l'intermédiaire de l'orientalisme. Et l'orientalisme, comme le rappelle justement cet auteur avec force, c'est que malheureusement, cet orientalisme n'était pas très, pas très glorieux et pas très affectueux vis-à-vis de l'islam. Donc c'était ou bien connaître les colonies pour mieux les coloniser, ou bien c'était une manière de présenter tout en dénigrant l'islam, en le rejetant même. Donc il y a évidemment eu quelques heureuses exceptions parmi les orientalistes, mais globalement, le mouvement orientaliste était plutôt très négatif vis-à-vis de l'islam. Donc ses amis de l'auteur, lui ont, après avoir eux-mêmes rejoint l'islam, lui ont demandé d'écrire un livre qui puisse présenter, au moins dans les grandes lignes, la perspective islamique, et en quoi elle est non seulement une tradition authentique, contrairement à ce que justement ont véhiculé les orientalistes de l'époque, mais surtout de montrer en quoi cette tradition est providentielle pour l'époque de confusion qu'ils vivaient eux à ce moment-là, donc dans les années 60-70, même si l'ouvrage a été écrit en 80. Et on peut dire que cette confusion, loin d'avoir diminué, au contraire, cette confusion est encore plus grande aujourd'hui. Donc dans l'introduction, il va d'abord montrer en quoi l'islam est à la fois une tradition authentique, mais surtout la tradition providentielle pour apporter une réponse au chaos spirituel qui régnait et qui règne toujours à ce moment-là. Donc il faut aussi se souvenir que au XXe siècle, c'est probablement... le sommet de la modernité, et donc de le rejet de toutes les traditions, et en particulier le rejet du christianisme, et de toutes les valeurs traditionnelles, et que pendant longtemps, les Français, mais les Européens en général, ont été séduits, disons, par la mentalité moderne, qui promettait que, contrairement à ce qu'affirment les traditions, l'humanité va vers un mieux, c'est-à-dire que plus on avance et plus l'homme sera meilleur, et que la condition pour pouvoir être libre et donc progresser, c'était justement de se couper de toute transcendance. Et donc c'est ce qu'on appelle communément l'humanisme, le fait d'être coupé entièrement du divin. Et donc pendant un certain temps, comme le rappelle l'auteur, pendant un certain temps, cette mythologie, en tout cas cette idéologie, avait séduit beaucoup de monde jusqu'au moment où il y a eu une première guerre mondiale qui est venue un petit peu apporter un sacré bémol et confirmée par une seconde guerre encore plus atroce que la première. Et il a dit que justement à partir de l'après-guerre, beaucoup de Français plutôt et d'Européens se sont tournés vers des traditions orientales. Donc, par exemple, se sont tournés vers l'hindouisme et le bouddhisme en particulier. Et il s'étonne, d'ailleurs, dans le livre, il dit « Mais c'est tout à fait étonnant que des chrétiens se tournent vers des traditions aussi étrangères au christianisme, aussi lointaines aussi, alors que l'islam est très proche, parce que l'islam est une religion monothéiste abrahamique, donc sœur du christianisme et du judaïsme, et aussi très proche géographiquement, parce qu'il y a des musulmans, il y avait déjà des musulmans en France, et puis surtout les colonies françaises étaient pour la plupart de musulmans, exactement. Donc déjà il s'étonne de ça, et il vient aider le lecteur francophone, et le lecteur français surtout, à lui montrer qu'en fait c'est tout à fait une erreur, parce que l'islam est véritablement la meilleure réponse aujourd'hui à celui qui était en quête spirituelle. Bon, alors comme je l'ai dit au début, l'ouvrage évidemment n'est pas destiné exclusivement aux Français, mais il est destiné disons aux Français, aux Occidentaux et aussi aux musulmans occidentalisés. Ça c'est aussi très important de le savoir, c'est que il le rappelle également l'auteur déjà dans son avant-propos. C'est que même pour des musulmans qui ont vécu en France et qui sont nés dans des familles musulmanes,
d'une certaine manière, par leur éducation, par le climat dans lequel ils ont vécu, ils ont été forcément, d'une manière ou d'une autre, et à un degré ou à un autre, eux-mêmes contaminés, disons, par la mentalité moderne. Donc même si c'est pas toujours conscient, parfois ça peut être entièrement conscient et revendiqué, mais très souvent on peut dire que cette influence est pernicieuse et surtout est tout à fait cachée et qu'on remarque pas forcément. Et par conséquent, la manière dont lui va présenter l'islam dans cet ouvrage, d'abord son premier chapitre, c'est de montrer que l'islam doit faire face aux défis de notre temps. Donc dès le premier chapitre, il montre comment l'islam est la réponse à ce temps. Très beau chapitre, tout à fait. Et puis en particulier, il rappelle une vérité que tous les musulmans savent, que tous les musulmans connaissent, c'est que l'islam est même par définition la religion de la fin des temps. Oui. C'est-à-dire que c'est la dernière des religions, la dernière révélation, et qui par conséquent a vocation, et surtout, puisqu'elle a cette vocation, elle a la capacité. Disons que Allah a voulu que cette religion ait la possibilité de sauver les âmes jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin des temps, donc y compris dans les époques les plus ténébreuses, comme celles qu'on vit. Donc ça, il le rappelle, et surtout il s'adresse là évidemment plutôt aux chrétiens, parce que les musulmans sont censés savoir que l'islam est la religion de la fin des temps, pour leur montrer que cette religion est non seulement une confirmation des religions abrahamiques précédentes, donc le judaïsme et le christianisme, mais elle en est aussi d'une certaine façon la synthèse. Et si c'est important de se tourner vers cette religion, c'est aussi parce que elle jouit d'une vitalité qui est tout à fait étonnante. Parce que même si, comme toute religion, l'islam s'affaiblit avec le temps, mais il garde une vitalité qui ne peut être que garantie, disons, par Dieu, parce que l'époque à laquelle on vit, comme je le disais, s'attaque à toute forme traditionnelle, à toute forme de transcendance, à toute forme, donc l'islam y compris. Mais comme, disons, dans le plan divin, cette religion est promise à survivre jusqu'à la fin des temps, elle est encore aujourd'hui un des derniers remparts, on va dire, contre la modernité. Alors, après avoir montré en quoi cette tradition est authentique et qu'elle est salutaire et qu'elle est véritablement la dernière bouée de sauvetage pour ceux qui recherchent encore un chemin spirituel, il va donner une explicitation de la doctrine islamique et montrer la force de cette doctrine qui s'appuie sur le tawhid, donc sur l'unicité divine, et qui s'appuie donc sur la formule de la shahada. Donc il montre que c'est absolument miraculeux. Lui parle de miracle quand il parle de la shahada, en disant qu'une formule aussi simple, qui défie la raison, et qui pourtant recèle l'ensemble, toute la vérité de l'islam. Sans oublier d'ailleurs l'auteur le rappelle, c'est que cette vérité de l'unicité en réalité est présente également dans le judaïsme et dans le christianisme, même si elle n'est pas mise en avant sous forme doctrinale. Et ensuite, après avoir rappelé donc ce qui fait le message essentiel et éternel de l'islam, il va rappeler ensuite dans les grandes lignes en quoi consiste la pratique, parce que pour lui évidemment l'islam est un moyen de salvation à condition évidemment qu'on le pratique. Il ne s'agit pas simplement de se reconnaître culturellement dans l'islam ou de se sentir rattaché à l'islam par hérédité ou par affinité, mais en réalité, ce moyen de salvation, il ne l'est concrètement qu'à partir du moment où on le pratique. Donc il va montrer en quoi la pratique est extrêmement importante et en quoi elle consiste d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'islam est aussi méconnu, hein. Il est de moins en moins maintenant parce que beaucoup de livres existent et beaucoup de choses se publient sur l'islam, mais jusqu'à il y a encore 20 ans, l'islam était encore vraiment méconnu. Donc il va rappeler des choses qui pour nous semblent évidentes, mais ceci dit, la manière dont il les présente à nouveau fait que ça peut intéresser absolument tout le monde, y compris donc les musulmans pratiquants. Et ensuite il va conclure son ouvrage sur un chapitre qui présente les voies spirituelles, en montrant que, comme l'a rappelé Daoud tout à l'heure avec le fameux hadith Jibril, qui montre que l'islam, ou comme l'a dit le prophète dans ce hadith, ad-din, donc la religion au sens fort du terme,
et composé de trois aspects, l'aspect islam, iman et ihsan. Et donc, sans surprise, l'auteur de Découverte de l'islam, Roger Dupaquier, va expliciter qu'est-ce qu'il faut entendre par islam, qu'est-ce qu'il faut entendre par iman, et il va ensuite conclure son ouvrage pour ceux, en tout cas, qui se sentent l'élan de se rattacher à la définition de l'ihsan. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc il invite dans son dernier chapitre ceux qui se sentent l'élan de rejoindre cette définition et de la réaliser dans leur propre vie, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à eux en termes d'enseignement spirituel et de cheminement spirituel. Donc voilà, c'est un petit livre de poche, voilà, qui est d'ailleurs aux éditions Poche du Seuil, éditions Point, qui fait environ 150 pages, avec quelques très belles illustrations de monuments de l'héritage patrimonial islamique, en tout cas ce qui en reste après les destructions dont on a parlé tout à l'heure. Et il écrit dans un style très accessible et bien écrit. Et donc on pourrait le retrouver également sur leslumieresdorient.com. Donc je rappelle le titre « Découverte de l'islam » de Roger Dupaquier, aux éditions du Seuil. Juste un mot, typiquement c'est vraiment un livre tout public, puisque la personne qui veut découvrir l'islam, comme le nom l'indique, qui ne connaît rien à l'islam, peut découvrir cet islam, et le musulman qui connaît sa religion mais qui veut justement la réapprofondir, en comprendre le sens, c'est vraiment un livre remarquable, un livre tout public. Je prends le relais, c'est ça? Non, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, je suis content qu'on ait installé ce type d'émission. Je rappelle, les quatrièmes ou cinquièmes, ça dépend. À livre ouvert, donc. Ah oui, c'est-à-dire présentation d'ouvrages pour que nos auditeurs, nos auditrices renouent avec la lecture, on va dire, livresque, et non pas ce qu'on peut voir ci et là à travers des écrans. Donc voilà, c'est l'objectif. Même s'il faut aller pianoter sur internet pour aller consulter le site voilà. Qu'on rappelle. Donc leslumieresdorient.com. Et donc effectivement c'est renouer avec la lecture parce qu'on manque cruellement de repères. Bien sûr. Et donc tout le monde peut retrouver les ouvrages sur notre site. Et puis donc aller sur le blog de la prophétie maintenant. Oui, donc la prophétie. Où vous retrouverez tous les titres qui sont cités systématiquement. Donc le relais aussi laprophétie.wordpress en un seul mot. .com dans lequel on mettra les différentes émissions, les références des livres présentés. Voilà, et dès que ce sera possible, les émissions seront archivées, donc au format MP3, et donc elles pourront être réécoutées, même téléchargées, à partir de ce blog, donc laprophétieenunmot.wordpress.com, donc c'est les fameux blogs de WordPress. Donc en effet, on n'insistera jamais assez sur l'importance de la lecture. Il n'est pas possible de s'instruire simplement avec les écrans. D'ailleurs, il y avait un sociologue qui avait dit une phrase très intéressante pour distinguer ça. Il avait dit que la mémoire est à l'écrit ce que l'écran est à l'oubli. Ce qui est très important, effectivement, on a l'impression quand on consulte des sites internet, des écrans en général, qu'on apprend des choses. Mais certes, sur le coup, on a l'impression d'avoir appris, mais en fait, on ne mémorise pas. On sera incapable en fait de restituer. Et celui qui a l'habitude de lire, il en fait souvent l'expérience, c'est que il mémorise beaucoup mieux ce qu'il a appris. Le fait qu'il ait un livre entre les mains et qu'il ait le temps de lire, de s'arrêter, de réfléchir, de se l'approprier. Ça, exactement. Et du coup, les idées s'imprègnent dans son esprit. Il a le temps, du coup, de mémoriser ça et d'avoir ça pour acquis. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Alors, je devais faire une petite information, là, oui. une activité qui a lieu là, ce week-end, donc 3 jours, 2 nuits pour la Palestine. Donc, c'est bien, bon, il a commencé aujourd'hui, mais demain, vous avez aussi une soirée débat sur la situation actuelle en Palestine. Donc, avec l'ambassadeur de Palestine, vous pouvez donc vous approcher de la salle Concorde Boulevard de Metz à Lille à 18h. Et donc participer à ce week-end 3 jours, 2 nuits pour la Palestine ici sur la métropole. Bien entendu, on vous donnera les informations sur la suite des manifestations qui s'organisent autour de ce week-end. Voilà pour l'information en termes de d'actualité sur notre localité. On va rappeler les titres des 3 ouvrages. Oui. Alors l'ouvrage principal qui était donc la base de l'émission, c'est le Pacte de Najd ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam de Amadi Redici, aux éditions du Seuil.
paru en 2007. Le second ouvrage donc présenté, c'était Les enseignements spirituels du prophète de Taïeb Chouiref en deux volumes aux éditions Tasnim, paru en 2008. Et enfin, le dernier ouvrage que nous venons de présenter, Roger Dupaquier, Découverte de l'islam, paru aux éditions du Seuil. Tous ces ouvrages sont disponibles sur leslumieresdorient.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission à livre ouvert, mais dès vendredi prochain. Ah oui, vendredi prochain, nous on est à rendez-vous tous les vendredis hein, de 20h à 22h, mis sur la prophétie, donc avec l'imam Ahmed Mikhtar, donc de la mosquée de Vinov Dask. Et moi je vous retrouve dans deux semaines avec Taïeb Chouiref. Voilà. Voilà. Très bien. Salam alaikum wa rahmatullah et à très bientôt, inshallah. Salam alaikum.